Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je me présente Alex Norris, conseiller associé à la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal et président de cette commission. Au nom de la commission de la sécurité publique, je tiens à remercier celles et ceux qui nous suivent en direct grâce à la webdiffusion. Nous souhaitons rappeler que cette séance sera également disponible en différé sur le compte YouTube de la Ville de Montréal. La commission de la sécurité publique procède cet après-midi à la présentation et à l'adoption de ses recommandations au terme de l'exercice consultatif sur la politique sur les interpellations policières du SPVM. Nous procéderons à la lecture de nos recommandations, puis à leur adoption. Après l'adoption des recommandations, la commission procédera à la lecture des questions et commentaires du public et répondra. Ensuite, avant de conclure, la parole sera cédée aux membres de la commission. Alors, j'invite désormais les membres de la commission à se présenter, en commençant par M. Philippe Roy. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Merci. Alors, mon nom est Philippe Roy, je suis maire de la ville de Mont-Royal et vice-président de cette commission. Merci. Alors, je cède M. Sari. Bonjour à toutes et à tous. Abdelak Sari, vice-président de la Commission de la sécurité publique, représentant de l'opposition officielle et conseiller de ville du district Marie-Clarac à Montréal. Merci, M. Sari. M. Belvedere. Bonjour à toutes et à tous. John Belvedere, maire de ville de Pointe-Claire. Merci. Et Mme Blanco. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Mon nom est Josefina Blanco, je suis membre de la commission et je suis conseillère d'arrondissement dans les plateaux Mont-Royal. Merci. Merci, M. Boukala. Oui, M. le Président. Alors, Younes Boukala, conseiller d'arrondissement à la Chine. Donc, merci. Et Mme Flannery. Bonjour, je m'appelle Michelle Flannery, je suis conseillère d'arrondissement à la Chine. Et M. Mercier. Ah, merci, M. le Président. Bonjour, Jacques Mercier. Je suis le représentant du gouvernement du Québec au sein de la commission. Et finalement, Mme Wong. Bonjour, je m'appelle Cathy Wong. Je suis conseillère de ville dans le district Peter McGill, donc dans l'arrondissement Ville-Marie. Merci. Alors, je tiens aussi à remercier M. Luc Gagnon et Mme Julie-Pascal Provost, membres sortants de la commission, pour leur contribution aux présents travaux de la Commission de la sécurité publique. Avant de procéder à la lecture des recommandations, je souhaite vous rappeler brièvement le contexte qui nous amène aujourd'hui à tenir cette assemblée publique. La tenue d'une consultation publique sur la politique sur les interpellations policières découle d'une série d'initiatives qui impliquent la Commission, l'administration, les membres du conseil municipal, la population montréalaise et le SPVM, dans une volonté commune de lutter contre le profilage racial et social et le racisme systémique. En 2017, le conseil municipal mandate une commission conjointe composée des membres de la commission de la sécurité publique et de la commission sur le développement social et la diversité montréalaise afin de mener une consultation publique sur le profilage racial et social. L'objectif était dans un premier temps de définir des mesures visant à éliminer toute forme de profilage et ensuite de rendre compte de ces actions poursuivies par la Ville de Montréal sur une base annuelle dans le cadre d'un processus de reddition de comptes publics. À l'issue de ces travaux, la commission conjointe de 2017 recommande au SPVM de développer, avec le concours d'une équipe de recherche indépendante, des indicateurs pour rendre compte des effets des mesures mises en place par la métropole pour lutter contre le profilage. L'administration montréalaise y donne suite en 2018 où, pour s'acquitter de ce mandat, le SPVM s'est adjoint de l'expertise de trois chercheurs indépendants, soit Mme Mariam Assaoui, M. Victor Armoni et M. Massimiliano Mulone, qui ont analysé les pratiques du SPVM. Au moyen de données recueillies dans le cadre d'interpellations policières, l'équipe de recherche formule et partage ses constats dans un rapport présenté en séance publique de la Commission de la sécurité publique le 22 novembre 2019.
5 recommandations sont formulées, dont la première recommandation exhorte le SPVM à se doter d'une politique sur les interpellations policières. En juillet dernier, le SPVM donne suite à cette recommandation en rendant publique la première politique sur les interpellations policières au Québec. Au même moment, la Commission de la sécurité publique soumet à la consultation du public la politique afin de lui permettre de s'exprimer sur son contenu en vue d'une éventuelle bonification. Le 1er septembre dernier, la Commission a tenu une séance publique d'information. Lors de cette séance virtuelle, a été présentée la politique par le SPVM et le public a été invité à transmettre ses premières impressions sur le contenu présenté. Toujours en contexte de crise sanitaire due à la COVID-19, le public a par la suite été invité à faire part de son opinion, ses observations et ses recommandations sur la politique afin d'alimenter la réflexion de la Commission aux fins de recommandations. Différents moyens de participation ont été mis à sa disposition, notamment l'envoi de mémoires ou d'une vidéo par courriel et la transmission d'une opinion courte via un formulaire en ligne. À la suite de la réception des avis du public, la Commission a délibéré en 8 séances à huis clos, d'octobre 2020 à février 2021. Nous sommes très fiers de vous présenter aujourd'hui nos recommandations et de les adopter. Elles seront par la suite déposées au conseil municipal et au conseil d'agglomération de mars et il appartiendra à l'administration de donner suite aux recommandations dans un délai d'au plus 6 mois. Avant de procéder à la lecture des recommandations, la commission doit d'abord procéder à l'adoption du ordre du jour. Alors, je demande donc une personne qui propose et qui appuie à l'ordre du jour. Je vois donc M. Mercier qui propose et Mme Flannery qui appuie. Alors, s'il n'y a pas d'objection, je vais déclarer l'ordre du jour adopté. La commission doit également procéder à l'adoption du procès-verbal de la dernière assemblée publique que nous avons tenue. Je demande donc une personne qui propose et qui appuie l'ordre du jour. Le procès-verbal, je veux dire. Est-ce que j'ai donc M. Belvedere qui propose et M. Sari qui appuie? Donc, le procès-verbal est donc adopté. À la suite des délibérations, les commissaires ont retenu une série de considérations et de recommandations que nous vous présentons à l'instant. Alors, je vais commencer par la lecture de la préambule et on va tous partager parmi les membres de la commission la lecture de nos recommandations. La commission de la sécurité publique s'est donné le mandat en juin 2020 de tenir une consultation publique sur la politique sur les interpellations policières du SPVM, soit la première politique encadrant les interpellations policières au Québec. En raison des mesures sanitaires en vigueur, la commission a tenu cette consultation de manière virtuelle en organisant une séance publique en ligne et en invitant le dépôt par écrit de mémoire et d'opinion de la part du public. La commission tient à souligner la grande participation du public à ces travaux et ce, malgré la crise sanitaire en cours. La commission est reconnaissante envers toutes les personnes et tous les organismes dont notamment la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec, qui lui ont soumis une opinion dans le cadre de cet exercice. Nous tenons également à souligner la collaboration du service de police de la Ville de Montréal et le remercions. Au fil de ces travaux, la Commission a pris connaissance des nombreux témoignages faisant état de profilage racial et social vécu dans la métropole. Elle a constaté que le nombre annuel d'interpellations effectuées et enregistrées par le SPVM a augmenté au fil du temps, alors que le nombre d'incidents criminels est resté stable. La Commission a également pris note des disparités importantes constatées par des chercheurs indépendants en ce qui concerne la race perçue des personnes interpellées. La Commission constate que ces enjeux minent la confiance de plusieurs membres du public à l'égard de son service de police
et la capacité de ce dernier à accomplir efficacement son travail. Ce rapport fait état de 25 recommandations qui se basent principalement sur les différents points de vue exprimés par les participantes et participants lors de la consultation publique, mais également sur la littérature scientifique existante à ce sujet. Dans cette dernière, notons le rapport de l'équipe de recherche indépendante mandatée par le SPVM pour étudier les interpellations policières, le rapport Harmonie-Assaoui-Moulonnais, et une analyse des pratiques policières en vigueur dans d'autres grandes villes canadiennes. Par souci de cohérence, la Commission a également pris connaissance de la directive sur les interpellations policières annoncée par le gouvernement du Québec et des recommandations de son groupe d'action contre le racisme. Les recommandations de la Commission de la sécurité publique visent à bonifier la politique sur les interpellations du SPVM afin de renforcer la confiance du public, en assurant la sécurité publique de toutes et tous, et s'inscrivent dans un effort de prévenir des comportements de profilage et de lutter contre le racisme systémique. La Commission a reçu plusieurs commentaires qui vont au-delà de la politique sur les interpellations policières du SPVM, traitant de sujets connexes susceptibles d'éliminer les biais inconscients au sein des effectifs policiers, notamment leur formation, la gouvernance de leur service et la représentation de la diversité au sein de leur organisation. Étant donné que l'objet de cette consultation publique est une politique encadrant la pratique d'interpellation policière et par souci d'efficacité, la Commission concentre l'essentiel de ses recommandations sur le contenu de la politique elle-même. Ceci étant, la Commission considère ces propositions connexes très importantes. C'est la raison pourquoi elles ont été minutieusement colligées et seront étudiées plus en profondeur lors de l'étude du bilan annuel des actions prises pour combattre les profilages et lors des autres travaux de la Commission dédiée à ces enjeux. Au terme de cet exercice, la Commission formule les recommandations suivantes. Donc, la première section, c'est la bonification du contenu de la politique. La Commission considère que pour renforcer la confiance du public et assurer l'efficacité de la politique, celle-ci doit être claire et bien comprise du public. Pour ce faire, il est nécessaire de tenir compte des observations des experts du domaine, d'ailleurs corroborées par diverses opinions soumises lors de la consultation publique. La Commission s'est inspirée des critères retenus dans certaines études et a aussi structuré ses avis à partir des propositions retenues du public lors de la consultation. Alors, nous souhaitons d'abord définir clairement l'interpellation et les cadres de pratique afin d'en réduire le nombre. Considérant que, selon le rapport des chercheurs, le nombre annuel d'interpellations effectuées et enregistrées par le SPVM a augmenté de 143 %, passant de moins de 19 000 à plus de 45 000 par année en 2014 et 2017, alors que le nombre d'incidents criminels est resté stable durant cette période. Considérant les opinions citoyennes reçues dans les mémoires qui mentionnent que la notion de fait observable est floue, considérant les mémoires reçues qui réclament que les interpellations policières soient abolies ou encore réduites au minimum, considérant la recommandation 1 du rapport Harmonie-Assaoui-Moulonnais indiquant qu'une politique en matière d'interpellation devrait inclure un cadre de pratique pour réduire les interpellations non nécessaires et que dans l'état actuel de la politique, un tel cadre n'y est pas explicité, nous recommandons et notre première recommandation, donc, préciser les motifs justifiant une interpellation en clarifiant la notion de fait observable, soit dans la politique elle-même, soit dans le document explicatif qui l'accompagne, de manière à ce qu'elle soit vulgarisée afin de la rendre compréhensible pour le public, notamment en produisant une liste d'exemples concrets de motifs pouvant justifier une interpellation. Notre recommandation numéro 2
demander au SPVM d'affirmer clairement dans sa politique qu'elle a pour objectif de réduire le nombre d'interpellations non nécessaires effectuées et expliciter les moyens déployés pour y parvenir. Alors, je cède maintenant la parole à M. Philippe Roy, maire de Ville-Mont-Royal et vice-président de la Commission. Merci beaucoup, M. Norris. Alors, je vais poursuivre la lecture. Donc, toujours dans le contexte d'un souhait de bonifier le contenu de la politique mise de l'avant par le SPVM, nous abordons un nouveau point systématiser l'enregistrement des interpellations effectuées. Donc, considérant que plusieurs personnes ayant participé à la consultation craignent que des notions aussi générales que des faits observables et des informations recueillies en regard de la mission du service permettent aux membres de la police d'interpeller des personnes régulièrement sans avoir à produire les fiches d'interpellation qui rendent compte de ces interpellations. Considérant que plusieurs opinions exprimées font état de la nécessité de systématiser la production d'une fiche lors d'une interpellation pour dresser un portrait fidèle de la situation et rétablir la confiance du public à l'égard de cette pratique. Considérant la définition d'interpellation proposée par le SPVM dans sa politique, laquelle constitue une, et je cite la définition, une interaction entre un policier et une personne au cours de laquelle le policier tente de l'identifier et de collecter des informations. L'interpellation policière n'est pas une interaction sociale ni une forme de détention. L'interpellation doit reposer sur un ensemble de faits observables qui fournit au policier une raison pour interagir avec une personne dans l'atteinte de l'un des objectifs suivants, soit assister une personne dans le besoin, soit prévenir des incivilités, soit prévenir le crime ou les infractions aux lois et aux règlements, soit collecter des informations s'inscrivant dans la mission du SPVM ou identifier une personne recherchée à l'aide soit d'un mandat ou suite à un appel de disparition. Considérant également la définition d'interaction sociale proposée par le SPVM dans sa politique, laquelle constitue un échange réciproque entre un policier et une personne, afin notamment de dialoguer, d'informer ou de participer à des activités communautaires et sociales, et considérant qu'une collecte de données complète et fiable des interpellations des interpellations policières est nécessaire pour évaluer l'impact de la politique. Je propose donc la troisième recommandation de ce rapport-là, qui est demander au SPVM de systématiser la production d'une fiche d'interpellation pour toutes les interpellations policières et non seulement celles jugées par les membres de la police comme s'inscrivant dans la mission du SPVM. Alors voilà, je vais céder la parole maintenant à mon collègue Abdelhak Sari. Merci beaucoup, Monsieur Roy. Et j'enchaîne avec le point 1.3 qui vise à clarifier les modalités d'enregistrement et le contenu des fiches. Considérant que la notion de race n'a aucun fondement scientifique, considérant néanmoins que le racisme systémique et les biais raciaux existent bel et bien et se basent sur la perception des différences dites raciales, considérant que pour proposer des mesures efficaces visant à combattre ces phénomènes, il est nécessaire de recueillir et analyser des données sur l'identité raciale ou la race perçue des personnes, considérant que la même logique s'applique dans la détection des pratiques de profilage racial, considérant la proposition de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, CDPDJ, de maintenir la collecte de données sur la race des personnes interpellées et de colliger des données sur l'origine ethnique ou nationale et couleur ainsi que sur d'autres caractéristiques pouvant mener à la discrimination, notamment la condition sociale, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, la religion, la langue ainsi que le handicap. Considérant que la recommandation 18 de l'Office de consultation publique de Montréal, l'OCPM, dans son rapport intitulé « Racisme et discrimination systémique dans les compétences de la ville de Montréal », laquelle demande que la politique sur les interpellations interdise, sous peine de sanction, les interpellations policières qui sont fondées sur la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale, la religion et la condition sociale. Considérant les opinions reçues dans le cadre de cette consultation, publique quant à l'importance de maintenir la collecte de données portant spécifiquement sur la race perçue,
des personnes interpellées afin que cette notion ne soit pas escamotée dans l'analyse des disparités. Considérant la motion du 25 mai 2020, référée par le Conseil municipal à la Commission de la sécurité publique, visant à demander la collecte de données relatives à la race lors de l'interpellation de piétons et d'automobilistes par le SPVM et la STM sur le territoire de l'agglomération de Montréal, CM20-0552, je recommande la recommandation numéro 4 qui vise à demander au service de police de la ville de Montréal de maintenir dans ses fiches d'interpellation la mention de la race perçue des personnes interpellées. Recommandation numéro 5, demander au SPVM et à la ville de Montréal de mandater l'équipe de recherche indépendante pour proposer des modifications aux fiches d'interpellation afin que d'autres caractéristiques pouvant mener à la discrimination, notamment la condition sociale, le genre, l'origine ethnique et la religion, puissent être analysées dans le but d'identifier des disparités en matière d'interpellation. Je passe maintenant au point numéro 2, qui vise à suivre le volume des interpellations et les plaintes pour détecter les anomalies. Considérant les opinions exprimées dans les mémoires selon lesquelles le service de police de la ville de Montréal doit effectuer une reddition de compte complète sur les interpellations effectuées par ses effectifs policiers, considérant les recommandations 2 et 3 du rapport Harmonie-Assaoui-Noloné énonçant les différentes redditions de comptes qui devraient être effectuées par le SPVM pour mesurer l'impact des mesures mises en place pour lutter contre le profilage racial, je passe à la recommandation numéro 6 qui recommande ceci. Demander au service de la diversité et de l'inclusion sociale de la ville de Montréal, en collaboration avec le service des affaires juridiques, d'intégrer à sa reddition de compte annuelle à la Commission de la sécurité publique sur le profilage racial et social les données suivantes. Le nombre et la nature de plaintes reçues à ce sujet visant le SPVM et d'autres services de la ville de Montréal auprès de toutes les instances, au service de police de la ville de Montréal, ou CDPDJ, commissaire à la déontologie. Les conclusions au terme du traitement, notamment la culpabilité ou non, nature des sanctions appliquées, le cas échéant. On recommande la recommandation 7 aussi, qui vise à demander au service de la diversité et de l'inclusion sociale de la ville de Montréal d'intégrer à sa reddition de compte annuelle à la CSP sur le profilage racial et social 1. Les deux indices développés par les chercheurs indépendants relatifs aux interpellations, soit les données mises à jour sur les indicateurs de disparité, des chances d'interpellation, ce qu'on appelle les IDCI, et de surinterpellation au regard des infractions, ISRI, identification du territoire où ont eu lieu ces interpellations, des postes de quartier qui en sont responsables, de même que le territoire d'origine de la personne interpellée. Demander au SPVM, comme dans la recommandation 8, demander au SPVM de rendre toutes les données concernant les interpellations présentées à la CSP accessibles au public en ligne en format de données ouvertes en conformité avec la loi sur l'accès aux documents des organismes publics sur la protection des renseignements personnels. Dernière recommandation que je vais lire aujourd'hui, recommandation 9, demander au SPVM de rendre compte des informations demandées en R6 et R7 dans son rapport annuel. Je cède la parole maintenant à ma collègue Josefina Bianco. Merci beaucoup, M. Sarri. C'est moi qui vais continuer avec la section 3. Énoncer explicitement l'interdiction de procéder à des interpellations aléatoires ou basées sur l'identité raciale perçue d'une personne. Commençons. Considérant que la politique sur les interpellations policières du SPVM énonce l'interdiction de procéder à des interpellations, basées sur l'identité ethnoculturelle perçue d'une personne, mais n'interdit pas explicitement les interpellations basées sur l'identité raciale d'une personne. Considérant, comme remarqué par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec, que cette politique n'énonce pas non plus explicitement l'interdiction des interpellations aléatoires. Considérant que les groupes d'action contre le racisme du gouvernement du Québec affirment une intention de mettre fin aux interpellations aléatoires, mais que ni la politique sur les interpellations du SPVM
ni les guides des pratiques policières du ministère de la Sécurité publique à ces sujets n'interdisent explicitement ce type d'interpellation. Considérant les témoignages reçus concernant la persistance du phénomène des interpellations aléatoires dans la métropole, considérant les opinions exprimées lors de la consultation à l'effet que les interpellations, aléatoires ou non, constituent de facto des violations des droits et devraient toujours être interdites, considérant que la Nouvelle-Écosse a récemment interdit les contrôles de la rue à la suite d'une étude démontrant que les personnes noires sont 6,1 fois plus sujettes que les personnes blanches à subir des contrôles de routine de police. Considérant que la commission n'est pas habilitée à trancher sur la légalité de cette pratique policière, ses pouvoirs appartenant plutôt aux tribunaux. Considérant l'avis exprimé par la SPVM de l'utilité du recours à l'interpellation à titre d'instrument de lutte contre la criminalité, notamment afin d'enquête et d'élucidation de certains crimes. Considérant que la tendance au Canada est d'encadrer et non d'interdire les interpellations policières, comme le montrent les choix des villes de Toronto, Vancouver et Edmonton. Considérant la R1 du rapport Harmonie, Asawi, Moulon, à savoir que les SPVM devraient adopter une politique encadrant les interpellations. Considérant l'avis de certains experts, notamment l'honorable juge Michael Tulloch en Ontario, à l'effet que les interpellations aléatoires, celles ne reposant sur aucun indice ou fait observable spécifique concernant l'individu ciblé, afin de déficher systématiquement un grand nombre de personnes, sont particulièrement nuisibles à la confiance du public envers un service de police tout en étant très peu utiles au travail des membres de la police. Recommandation numéro 10. Demander au SPVM d'énoncer explicitement dans sa politique l'interdiction de procéder à des interpellations aléatoires et celles basées sur l'identité raciale perçue d'une personne. Passons maintenant à la section numéro 4. Détailler les mécanismes de plainte à l'intention du public. Considérant que les opinions reçues par la Commission font état d'une remise en question du public à l'égard de l'efficacité et de la transparence des mécanismes de plainte, des disciplines et des sanctions envers le personnel policier fautif. Considérant les opinions reçues recommandant que les sanctions applicables en cas de non-respect de la politique ainsi que les mécanismes de plainte et d'accompagnement du public y soient explicitement mentionné. Recommandation numéro 11. Demander que l'SPVM mentionne explicitement dans sa politique que toute conduite discriminatoire ou de profilage est soumise au principe de tolérance zéro et fera l'objet d'une procédure disciplinaire ou administrative pouvant mener à une sanction. Recommandation numéro 12. Demander au SPVM de clarifier et de mieux communiquer au public les processus de plainte existants en mentionnant expressément les sanctions prévues par les lois et par les procédures internes, ainsi que les processus de traitement des plaintes dans les documents explicatifs accompagnant la politique. Je passe la parole à... On va céder la parole maintenant. Merci beaucoup, Mme Blanco. On va céder la parole à Mme Flannery maintenant. Bonjour. Merci. Alors, la section numéro 5, baliser la dissémination et l'utilisation des données issues des interpellations policières. Considérant les opinions exprimées dans les mémoires recommandant que la collecte, la conservation et la divulgation de données obtenues lors d'interpellations policières soient assujetties à des balises rigoureuses afin d'éviter une utilisation à d'autres fins que la raison pour laquelle elles ont été obtenues. Considérant que les fiches d'interpellation sont actuellement consignées pendant une période de 7 à 30 ans dans une base de données gérée par le Comité du Centre de renseignement policier du Québec, le CRPQ, sous la direction de la Sûreté du Québec et accessible à tous les corps de police à l'échelle nationale. La prochaine.
Alors, notre recommandation numéro 13, c'est demander au SPVM d'intervenir auprès du comité du Centre de renseignement policier du Québec, dans lesquels il participe en faveur de l'adoption de règles, en s'inspirant des recommandations émises par l'honorable juge Michael H. Tulloch en Ontario, afin de s'assurer que les personnes ayant été interpellées ne subissent pas de préjudice indu lié à la présence de leur nom et informations identificatoires dans une banque de données qui peut être consultée par l'ensemble de la communauté policière. Advenant qu'un tel encadrement ne soit pas adopté par le comité du Centre de renseignement policier du Québec, recommander au gouvernement du Québec d'adopter un règlement s'inspirant des recommandations de l'honorable juge Tulloch afin de baliser la conservation, la dissémination et l'utilisation des données issues des interpellations policières. Notre quatrième recommandation, demander que ces règles assurent un usage ultérieur approprié de ces données en conformité avec la Charte des données numériques de la Ville de Montréal et les lois applicables en vigueur. Section numéro 6, développer une compréhension mutuelle, impliquer le public dans la mise à jour de la politique. Considérant les plans déployés au cours des années par le SPVM en matière de lutte contre le profilage, considérant en raison notamment des bias systématiques présents dans notre société que le problème du profilage persiste dans la métropole, considérant le besoin de renforcer le lien de confiance à l'égard du SPVM, particulièrement chez des personnes racisées ou marginalisées, telles qui ressortent des témoignages exprimés, considérant que l'implication du public dans l'élaboration et la mise à jour de cette politique est essentielle pour s'assurer que son expérience est prise en compte, considérant les efforts déployés par le SPVM pour consulter en amont de la rédaction de la politique des personnes affectées par le profilage, nous recommandons considérant qu'une compréhension mutuelle du SPVM et du public qu'il dessert est une condition essentielle au maintien de la confiance du public à son égard, considérant les opinions reçues dans les mémoires indiquant que le processus d'élaboration et de mise à jour de cette politique doit être transparent et inclusif, considérant le second mandat donné à l'équipe de recherche indépendante par le SPVM et la Ville, considérant le rôle de la Commission et la sécurité publique de surveillance du SPVM conféré par la loi. Notre 15e recommandation, mandater la Commission de la sécurité publique de tenir une assemblée publique au sujet de la politique sur les interpellations policières un an après le dépôt de la réponse du comité exécutif aux recommandations du présent rapport. Et maintenant, je cède à M. Jacques Mercier, représentant du Québec, du gouvernement du Québec, à la Commission. Merci, Mme Flannery. Alors, la section 6.2 porte sur la question de s'éduquer pour mieux se comprendre. Considérant que pour développer une confiance mutuelle, le SPVM, la Ville, et le public ont tout avantage à s'éduquer mutuellement. Considérant les opinions exprimées soulignant la nécessité de mieux former les effectifs policiers à la réalité de mixité sociale, culturelle et économique à Montréal, considérant les opinions exprimées soulignant l'importance que les citoyennes et citoyens connaissent bien leurs droits en présence de la police, considérant que la connaissance du droit est une responsabilité collective, considérant que la politique confirme qu'une personne interpellée n'a aucune obligation légale de s'identifier ou de répondre aux questions du policier ou de la policière, n'étant pas détenue, elle peut quitter les lieux en tout temps. Considérant que la politique souligne que la communauté policière, lors d'une interpellation, doit être consciente que, je cite, « la personne interpellée peut se sentir psychologiquement détenue, donc obligé de s'identifier ou de répondre à ces questions », fin de la citation. Considérant que la Commission partage cet avis, que les personnes interpellées peuvent se sentir en situation de détention psychologique, considérant que certaines opinions soumises
lors de la consultation soutiennent que les effectifs policiers devraient être tenus d'informer systématiquement les personnes interpellées de leur droit de refuser de répondre à leurs questions et de leur droit de mettre fin à l'interaction en tout temps. Considérant que la politique sur les interpellations de la ville de Vancouver prévoit que la police doit prendre des mesures pour s'assurer que l'interaction avec la personne est volontaire, considérant que la politique sur les interpellations entrée en vigueur l'an dernier en Colombie-Britannique prévoit également des mesures visant à assurer que les interactions avec les membres de la police dans le cadre d'interpellations sont volontaires et libres de toute coercition, considérant le processus de révision de la loi provinciale albertaine sur la police et de sa nouvelle consigne prévoyant d'exiger du corps policier qu'il avise les personnes interpellées que les informations divulguées se font uniquement sur une base volontaire, considérant toutefois qu'une obligation similaire dans la loi ontarienne a été jugée par des membres de la police comme nuisible à la fluidité des communications entre la police et les personnes interpellées, et a été cité comme l'une des raisons d'une réduction majeure, voire quasiment une élimination du nombre d'interpellations effectuées dans cette province, considérant l'obligation d'identification du policier ou de la policière à la personne qui lui en fait la demande, telle que le stipule l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec à la section afférente aux devoirs et normes de conduite du personnel policier, considérant la recommandation 4 du rapport Harmonie Assaoui-Moulonné, qui propose d'intégrer la question du profilage racial à l'ensemble des plans, programmes et pratiques du SPVM. Alors, nous formulons les recommandations suivantes. Recommandation 16, rappeler avec insistance aux membres de la police, par écrit et à une fréquence régulière, leur obligation de porter en tout temps leur plaquette d'identification et de décliner leur nom à la personne qui leur en fait la demande. Recommandation 17, demander au SPVM de collaborer avec des experts en la matière afin de mettre en place des méthodes de communication auprès des effectifs policiers du SPVM dans le but d'atténuer le phénomène de détention psychologique des personnes interpellées. Recommandation 18, observer les résultats des nouvelles consignes en Alberta et en Colombie-Britannique à l'intention des corps policiers, qui invoquent la base strictement volontaire de la personne interpellée de divulguer des informations lors de l'interpellation, et demander à la Commission de la sécurité publique ainsi qu'à une équipe de recherche indépendante d'étudier les résultats des premiers bilans effectués à l'égard de ces nouvelles politiques pour ensuite formuler, au besoin, des recommandations à ce sujet. Recommandation 19, inviter le SPVM et la Ville de Montréal à travailler en collaboration avec les acteurs communautaires en soutenant financièrement des organismes qui font de l'éducation populaire sur les droits des citoyens lorsqu'ils sont interpellés par la police. Recommandation 20, demander au SPVM de créer et de diffuser largement des outils de communication vulgarisés et accessibles en collaboration avec des organismes communautaires appropriés qui expliquent les droits des citoyens interpellés. Alors je cède la parole à qui me suit? Monsieur Boukala. Voilà. Oui. Younes Boukala, conseiller de la Chine. La parole est à vous. Merci, Monsieur Mercier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Mercier. Donc, dans le sous-titre, donc, de solliciter l'appui du gouvernement dans la lutte contre le profilage, on a comme 7.1, donc, de renforcer le cadre réglementaire pour lutter contre les comportements de profilage. Alors, dans le premier considérant, donc, considérant la nécessité d'une action concertée des différents paliers de gouvernement pour lutter contre les problèmes systémiques comme le profilage, considérant la volonté du gouvernement du Québec d'aborder les enjeux de profilage en adoptant sa propre politique sur les interpellations policières en stipulant dans le communiqué accompagnant cette directive que l'interpellation policière n'est pas aléatoire ou sans fondement, qu'elle est exempte de motifs discriminatoires et qu'elle se fait dans le respect de la personne.
Considérant les nombreuses opinions exprimées à l'effet qu'il était nécessaire de documenter et d'encadrer les interpellations routières, considérant que le Code de la sécurité routière, le CSR, relève de la compétence provinciale, considérant les avis exprimés à l'effet que la prévention des incivilités comme motif pouvant justifier des interpellations laisse trop de place à la discrétion du corps policier et qu'un tel motif ne peut justifier que le nom et les coordonnées d'une personne se trouvent dans une banque de données nationale. Considérant que ce motif se trouve pourtant parmi ceux pouvant justifier une interpellation policière, tant dans la politique du SPVM que dans le guide des pratiques policières émis par le ministère de la Sécurité publique, considérant que les membres de la police ont déjà d'autres outils à leur disposition pour prévenir ou faire cesser des incivilités, notamment des avertissements dans les cas d'infractions anticipées, mais qui n'ont pas eu lieu, des avertissements dans les cas de gestes observés, mais qui ne sont pas jugés suffisamment graves pour justifier des sanctions, ou des constats d'infraction pour des actes réellement observés et d'une gravité suffisante pour justifier de telles mesures. Considérant les démarches menées par l'administration montréalaise afin de réviser sa réglementation touchant notamment aux incivilités, dans le but d'abroger ou d'amender certaines de ces dispositions susceptibles d'induire des comportements de profilage social ou racial, nous avons comme recommandation 21 de faire des démarches auprès du gouvernement du Québec afin que la pratique des interpellations soit adéquatement balisé et clarifié à l'échelle provinciale pour prévenir le profilage racial et social et pour assurer la confiance du public à l'égard de cette pratique policière, notamment en recommandant la collecte de données sur l'identité raciale et ethnoculturelle perçue des personnes interpellées en vertu du Code de la sécurité routière et sur tout autre motif discriminatoire pouvant mener à des contrôles routiers par tous les services policiers qui relèvent de sa juridiction. Recommandant aussi une analyse de ces données par une équipe de recherche indépendante afin d'identifier les disparités liées au profil de personnes interpellées dans le cadre des contrôles routiers effectués en vertu du Code de la sécurité routière, prévoyant une reddition de comptes publics relative aux données collectées et aux conclusions des analyses effectuées, éliminant la prévention des incivilités comme motif pouvant justifier une interpellation policière. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Boukala. Et je cède maintenant la parole à Madame Cathy Wong, conseillère de Peter McGill dans l'arrondissement de Ville-Marie et membre du comité exécutif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir de présenter le point 7.2 où nous proposons de revoir les systèmes d'enregistrement des interceptions routières. Donc, considérant les nombreuses opinions exprimées à l'égard du caractère arbitraire, voire discriminatoire, de certaines interceptions routières faites auprès de personnes racisées à bord de véhicules, le phénomène communément appelé « driving while black », considérant que cette opinion a également été la plus exprimée par les citoyennes et citoyens lors de cette présente consultation, considérant que le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, M. Lionel Carman, a affirmé dans le rapport du groupe d'action contre le racisme publié en décembre 2020 avoir fait lui-même l'objet d'interpellations aléatoires par des policiers lorsqu'il conduisait un véhicule et qu'elle a exprimé la ferme intention de mettre fin à de telles pratiques, considérant les conclusions du rapport donné sur la race et contrôle routier à Ottawa, démontrant des disparités dans les interpellations des personnes racisées par le service de police d'Ottawa dans le cadre des contrôles routiers. Et je vous invite à... Ah oui, merci. Et considérant les constats du rapport Harmonie Assaoui-Mouloné qui relève des disparités dans les interpellations des personnes racisées dans la rue, excluant de l'analyse les interceptions en vertu du CSR, considérant que les interceptions routières sont actuellement exclues du protocole de collecte de données proposé par le SPVM dans sa politique sur les interpellations policières, parce que les systèmes d'enregistrement des interceptions routières ne sont pas conçus pour permettre une telle collecte de données, et considérant le consensus au sein des participantes et participants à la consultation à l'effet que les interceptions routières devraient impérativement être couvertes par la politique et ainsi faire l'objet d'une collecte de données,
Et donc, la commission de la sécurité publique propose en recommandation 22 de faire des démarches auprès du gouvernement du Québec pour adapter les systèmes d'information des contrôles effectués par les membres policiers affectés à la sécurité routière pour que l'appartenance raciale et ethnoculturelle perçue des personnes faisant l'objet de ces contrôles routiers y soit inscrite. La recommandation 23 est de recommander au gouvernement du Québec de mandater des chercheurs indépendants de proposer d'autres modifications au système d'information afin que d'autres caractéristiques pouvant mener à la discrimination, par exemple à la condition sociale et la religion, puissent également être décelées dans l'analyse des interceptions routières. La recommandation 24, advenant que le ministère de la Sécurité publique ne donne pas suite à ces recommandations, demander au SPVM de créer sa propre fiche d'interpellation adaptée à l'interception routière qui permettra de colliger ces informations sur les caractéristiques des personnes interpellées afin que des données anonymisées puissent par la suite être étudiées par des chercheurs indépendants. Et ce qui m'amène donc au point 7.3, celui d'éliminer la prévention des incivilités comme motif pouvant justifier une interpellation policière. Parce que considérant le sens retenu de l'interpellation par le SPVM dans la politique, selon lequel une interpellation policière a lieu lorsqu'un membre de la police tente d'identifier et de colliger des informations d'un individu, considérant le nouvel énoncé dans le guide des pratiques policières qui inclut la prévention des incivilités, entre guillemets, comme motif pour justifier une interpellation policière, et considérant que la politique sur les interpellations du SPVM mentionne ce même motif comme pouvant justifier une interpellation, et considérant l'important pouvoir discrétionnaire qu'un tel motif accorde à la police en vue d'une interpellation, considérant qu'une personne n'ayant rien à se reprocher peut ainsi se retrouver dans une banque de données policière nationale, et considérant les autres options disponibles aux membres de la police pour combattre des incivilités, notre recommandation numéro 25 est de recommander au gouvernement québécois et au SPVM d'éliminer la prévention des incivilités comme motif pouvant justifier une interpellation policière. Alors, merci beaucoup, Mme Wong, et je remercie tous les membres de la commission pour leur lecture de nos recommandations. La commission doit à présent procéder à l'adoption des recommandations qui viennent d'être lues. Donc, je demande donc à une personne qui les propose et à une autre personne qui les appuie. Donc, Mme Wong propose et M. Roy appuie. Alors, y a-t-il des membres de la commission qui souhaitent exprimer une dissidence ou une abstention par rapport à ces recommandations? Donc, dans l'absence de telles indications, je déclare les recommandations adoptées à l'unanimité. C'est maintenant le moment pour la période de questions et des commentaires du public. Pour permettre la participation du public à cette étape de rétroaction du processus consultatif, la Commission, en tout respect des directives de santé publique, a reçu via un formulaire en ligne les questions et commentaires du public avant la présente séance. Le public avait jusqu'à midi pour nous les transmettre. Donc, on va permettre une période de 30 minutes pour la période de questions avec une possibilité d'une prolongation de 30 minutes qui sera consacrée à la lecture des questions et commentaires des membres du public. La présidence se réserve le droit de limiter le nombre de questions portant sur un même sujet pour lequel une réponse aurait déjà été donnée. Alors, Mme Wong a très gentiment offert de faire la lecture des questions qui nous ont été posées par les membres du public. Alors, je lui cède la parole pour la lecture de la première question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, une première question qui nous provient de Madame Yvonne Merle-Sam, une question du Black Community Resource Center. La question porte sur the collection policy for use of force. So the question is, would you be supporting the recommendation of the Coalition for Race-Based Data Collection Policy for use of force arrests, charges, etc.? This to include subgroups so that differentiation can be made. What about an internal mechanism that would allow management to identify agents who disproportionately arrest minorities? Monsieur le Président?
Alors, merci beaucoup, Madame Wang, pour la lecture de cette question qui porte sur la collection de données raciales en cas d'arrestation, d'accusation et aussi s'il y a un mécanisme, si on pourrait prévoir un mécanisme interne pour identifier des agents de police qui utilisent leur pouvoir de manière disproportionnée auprès de membres de minorités. I think that the administration of the City of Montreal is generally speaking in favor of the collection and analysis of race-based data when it comes to public security matters. It's certainly an approach that we've taken with police checks, and I believe that it is an approach that can be taken in other areas as well. And so we're generally speaking favorable toward such policies. Now, implementation is another matter, but we have to determine how that can be done. And it's something I would also want to discuss with the members of the Commission, of the Public Security Commission. But certainly, race-based data does help us analyze disparities in how different members of minority groups are treated and can be a useful tool. So, en brièvement en français, les données raciales peuvent s'avérer utiles dans l'analyse des disparités vécues par les membres, notamment des membres des minorités visibles et d'autres minorités. Et nous sommes donc, l'administration de la Ville de Montréal est favorable à ce type d'analyse. Mais pour aller plus loin, il faudrait que je consulte les membres de la commission. Mais de telles questions seront sûrement soulevées lors du bilan annuel que nous allons effectuer sur les actions prises en matière de lutte contre les profilages raciaux et sociaux. Et ça, c'est un exercice que nous faisons annuellement depuis que notre administration est en place et depuis l'adoption favorable des recommandations effectuées par les commissions conjointes qui ont déposé les recommandations en 2017. Alors, Merci, Monsieur le Président. Alors, on va procéder à la deuxième question qui nous vient de Madame Luzvi Minda Mazon. So the question is about street checks. Can you assure us that the recommendations will see street checks occur only in situations where there is a reasonable indication that there may have been a crime? Can you assure us that there will be an annual reporting requirement from the police to City Council and this commission so that the public can see whether minorities are stopped by police in a manner that suggests bias? En français, alors, est-ce qu'on peut s'assurer que les interpellations policières vont seulement se tenir dans des situations où il y a des indications raisonnables qu'il y a eu un crime? Et est-ce qu'il va y avoir un rapport annuel de la police au conseil municipal annuellement? Monsieur le Président. Merci, Madame Wang. Thank you, Ms. Mazzoni, for your question, which is a very interesting one, and one that goes to the heart, I think, of the recommendations that we have just adopted unanimously. A key element, I think, in our recommendations is that we want greater clarity, and we've also recommended withdrawing the prevention of incivilities as a permissible grounds to carry out a street check. Because we believe that provides for just too much exercise of discretion and potentially arbitrary use of police authority. We've also asked that there be examples, clear examples cited in the explanatory document that accompanies the policy, so that we can clarify the notion that underpins this policy of observable facts. So I think that your question speaks to the essence of our recommendations, and these are positions that we have taken unanimously. Donc pour résumer en français, donc nos recommandations vont vraiment dans le sens qu'on veut des critères clairs afin de permettre des interpellations policières, et on demande également à la ville et au gouvernement québécois de retirer la prévention des incivilités comme motif pouvant justifier une interpellation policière, justement parce que c'est un motif qui laisse, selon nous, trop de place à la discrétion et à l'usage potentiellement arbitraire du pouvoir policier. Donc, et on exige, on demande, on recommande aux services de police de fournir des exemples plus clairs
qui permettra de clarifier la notion, justement, d'effet observable, qui est un concept qui sous-tend la politique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, notre prochaine question nous vient de Monsieur Jean Duval. Donc, la question se lit comme suit. J'ai été arrêté puis accusé à tort par les policiers et menotté sans avoir vérifié mon identité sur place comme je l'ai suggéré lorsque je manifestais seul au palais de justice de Montréal dans mes droits illégalement. Et lorsque, amené au poste, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas la bonne personne. Comment peuvent-ils agir ainsi en cowboy et dire en même temps qu'ils respectent nos droits? Monsieur le Président. Alors, merci beaucoup pour la question, Monsieur Duval. Malheureusement, le rôle de la Commission de la sécurité publique n'est pas de se pencher sur des cas individuels. Je sais que vous avez fait part de vos préoccupations concernant votre la façon dont vous avez été arrêté par le SPVM. Vous avez d'autres recours à votre disposition, que ce soit des mesures disciplinaires que vous pouvez réclamer auprès du service de police de la Ville de Montréal. Vous pouvez porter plainte également à la commission au comité de déontologie policière. Et pouvez, si vous jugez avoir été fait l'objet de mesures discriminatoires, pouvez également porter plainte à la Commission des droits de la personne. Mais la Commission des droits de la personne n'est pas l'instance qui juge ou qui détermine si des cas individuels ont été convenablement traités par le service de police. Merci quand même pour votre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, la prochaine question nous vient de Madame Gemma Rayburn Baines. Donc, la question se lit comme suit. In regard to recommendation 15, how long will it take before the executive committee responds to this report? Might that be after November's municipal election, meaning we would have no data made public before we go to vote? Also, in regard to recommendation 23 and 24, where you ask Quebec to adopt rules to stop the driving while black practices that we have seen, you ask the SPVM to proceed if Quebec refuses to modify its rules. Does the SPVM have the authority to do so? Alors, Monsieur le Président, la première question porte sur le temps que le comité exécutif va prendre pour répondre à ce rapport. Et la deuxième question porte sur l'initiative Driving While Black, la recommandation selon laquelle le SPVM peut aller de l'avant, même si le Québec refuse de changer son règlement. Est-ce que le SPVM a l'autorité de le faire? Alors, merci, Madame Wong. Thank you very much, Ms. Rayburn Baines, for your two very pertinent questions. Already, Caroline Bourgeois, who's a member of the Executive Committee responsible for public safety on the Executive Committee, has made it clear that our administration intends to respond as quickly as possible, and certainly before the next election, to the recommendations that we have just unanimously adopted. So how long it will precisely it will take, I cannot tell you, but I know that this is a high priority for our administration. And that we're our team is going to be looking very closely at the recommendations with a view to issuing a response well before the maximum 6-month delay that is foreseen in the law. As to whether the city has the authority to proceed if Quebec declines to modify its rules, we have to go step by step in this process. And the first step is really to make recommendations to the province. Since the Quebec Highway Safety Code, or Code de la Sécurité Routière in French, is a law that falls under provincial jurisdiction, we believe that it would make most sense for the province to act and in a way that would cover this issue province-wide. However, if the province fails to act, then we've recommended that the City of Montreal, look at acting in its stead. Donc, pour résumer en français, Caroline Bourgeois, membre du comité exécutif responsable de la sécurité publique, a clairement indiqué ce matin, en réponse à nos recommandations, à la publication de nos recommandations que nous venons d'adopter à l'unanimité, que l'administration avait l'intention de se pencher rapidement sur cette question et de répondre le plus rapidement possible et certainement avant les élections municipales à venir au mois de novembre. Quant à la capacité de Montréal d'agir, nous souhaitons agir étape par étape. Le Code de la sécurité routière est une loi qui est sous compétence provinciale. Il est donc logique que le gouvernement québécois agisse. Si jamais le gouvernement du Québec ne décidait pas d'aller dans ce sens-là,
nous recommandant que l'administration municipale de la ville de Montréal se penche sur cette question. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Notre prochaine question de Mme Lilia Ezeguera. So, when police stop people... Oh, sorry. Non, je suis à la mauvaise ligne. Je monte un petit peu plus haut. Alors, la question est de plutôt M. Ramon Vicente. Mme Ezeguera, je vais vous revenir. Vous êtes la prochaine question. Je suis désolée d'avoir inversé les deux. So, I'm going to get back to Mrs. Ezeguera. So, this question is from Mr. Ramon Vicente. So I would like to know if your recommendations supplant the SPVM's policy issued July 2020 and the provincial guidelines of August 2020. Will your recommendations make the collection of race-based data reporting obligatory for police street checks? And if so, who will create the guideline for the type of information gathered and how it is reported? Monsieur le Président, c'est une question sur les recommandations. Est-ce qu'elles vont supplanter celles de la politique d'interpellation du SPVM et des lignes directrices du gouvernement du Québec en août 2020? Et est-ce que nos recommandations vont créer une base de données basée sur la race et va rendre cette base de données obligatoire pour le SPVM? À vous la parole. Merci, Madame Wong. And thank you, Mr. Vicente, for your question, which is an important one. I have to emphasize that our powers are the power to recommend. We do not have executive authority at the Public Security Commission. And so we've analyzed the proposals that have been brought to us in the form of briefs and opinions. We've deliberated at length. We've analyzed practices that are in effect in other cities and provinces across the country, and we've come up with these recommendations. The next step is for the executive committee of the City of Montreal to respond to them. But our recommendations do not replace or supplant any policies that exist right now. They are recommendations, but we believe that we've thought long and hard about them and that they're very valid recommendations that deserve to be taken seriously, and we're certainly hopeful that they will be adopted by the city administration and, where appropriate, by the province as well. Donc, juste pour résumer rapidement en français, nos recommandations à la Commission de la sécurité publique ne sont pas exécutives. C'est le comité exécutif de la ville de Montréal qui doit décider s'il y donne suite ou non. Les recommandations retenues pourront être intégrées à la politique par la suite. Et en attendant, c'est la première mouture de la politique sur les interpellations policières qui reste en vigueur. Nous avons bon espoir, cependant, que nos recommandations seront favorablement accueillies par l'administration de la ville ainsi que par le gouvernement du Québec et par le SPVM. Alors, merci beaucoup pour la question. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Alors, la prochaine question, Madame Lilia Ezeguera. So the question is, when police stop people without a warrant, one feels intimidated. People hand over their identification even though they aren't legally obliged to do so. How will data as to a person's identity be handled when there's no legal reason for police to have it? Will it be destroyed rather than go into a database? Is this part of your recommendations, and will there be a campaign by the city to alert the public that citizens do not have to cooperate with police when stopped in a street check? Alors, Monsieur le Président, comment est-ce que l'identité des personnes dont l'information va être collectée va être gérée, surtout lorsque les personnes sont arrêtées pour aucune raison légale? Est-ce que ces informations vont être détruites? Est-ce que ça fait partie des recommandations et y aura-t-il une campagne pour sensibiliser le public sur la coopération ou pas avec la police lorsqu'ils sont interpellés? À vous la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Wong. Thank you, Madame Ezeguera, for your question, which is an important one as well. And we believe, after having studied this issue at some length, that there do need to be tighter controls put on how data collected in police checks are maintained and disseminated. So we examined the literature from across the country, and one of the reports that inspired us in this regard was the report that was issued by Judge Michael H. Tulloch of Ontario, who's the first Canadian judge to examine how a police check policy has been put into effect in the case of Ontario's policy. He issued a number of detailed recommendations that we have included in a lengthy footnote in our report,
the detail how he recommended Ontario deal with this question, with significant checks and balances on the use of information collected in the course of street checks. We've recommended that the Joint Committee of Police Forces, that is headed by the Sûreté du Québec, examine this issue, develop similar guidelines inspired by the recommendations of Judge Tulloch, and that if that committee fails to act in this way, that the province step in and issue regulations to control how these data are used. So, and in answer to your other question regarding a campaign by the city to alert the public that citizens do not have to cooperate, I wouldn't call it a campaign. What we've recommended is that there be public education initiatives to inform members of the public of their rights. And so certainly I think that recommendation is closely aligned with what you're suggesting in your question. Donc, juste pour résumer, nos recommandations, pour résumer en français, nos recommandations vont dans le sens d'une meilleure gestion des données et une gestion plus serrée, mieux encadrée des données recueillies grâce à des interpellations policières. Nous nous sommes inspirés notamment par le rapport de l'honorable juge Tulloch en Ontario, qui a proposé des balises importantes pour mieux encadrer cette pratique et notamment la durée du maintien des données et des règles strictes gouvernant la dissémination et l'utilisation de ces données. Quant à la question d'une campagne, nous visons plutôt des initiatives d'éducation populaire pour informer les membres du public de leurs droits. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La prochaine question vient de Madame Sharon Nelson from the Jamaica Association of Montreal. So, in regard to your recommendations today, I want to know, one, are there clear rules that will allow street checks of individuals only in very limited circumstances? Two, what measures are you putting in place that will end the targeting of visible minorities in street checks, as your own figures show racial minorities are stopped far more often than whites? And three, do your recommendations prevent police from stopping Black drivers? There are too many complaints about driving while Black. Monsieur le Président, une question, premièrement, au niveau des règles qui vont encadrer les interpellations policières dans des circonstances limitées. Deuxièmement, quelles mesures voulons-nous mettre en place pour arrêter l'interpellation des personnes des minorités visibles? Et troisièmement, est-ce qu'il y a une recommandation pour prévenir l'arrestation des conducteurs noirs par la police parce qu'il y en a trop? Alors, Monsieur le Président, à vous la parole. Merci, Madame Wong. Thank you very much, Ms. Nelson, for your questions. So I will go one by one and try to attempt to answer as well as I can the three questions that you have put. Are there clear rules that will allow street checks of individuals only in very limited circumstances? That is our intention. We believe that we need tighter controls on street checks in order to limit this practice to incidents when they're really required. We want to eliminate all random street checks. We want to clearly eliminate and explicitly eliminate street checks that are based on a person's race, a racial identity, or the perceived identity of that person. And we want to continue collecting race-based data. Race is a fiction biologically and scientifically, but it is a social reality. And racism, unfortunately, exists. Racial profiling exists. These are often unconscious biases that exist in our society and in all of our institutions, including in our police force. And that's why we need to collect data in order to ensure that inappropriate disparities are not observed when it comes to street checks. And you ask, do your recommendations prevent police from stopping Black drivers? Certainly not. The goal is not to discriminate either positively or negatively on the basis of race. And so the question isn't to stop police from stopping Black drivers or drivers of any race if there are proper grounds for stopping them. But we do believe that we should be collecting data on the perceived racial identity of people who are stopped behind the wheel,
in order to ensure that race is not a factor influencing who gets stopped behind the wheel of a vehicle by virtue of the Quebec Highways Code. Donc, très brièvement, oui, on a, pour résumer en français, oui, on tente de mieux circonscrire les circonstances dans lesquelles une interpellation policière peut être permissible. Oui, nous souhaitons continuer la collecte des données raciales afin de déceler des disparités dans les interpellations si de telles disparités persistent et afin d'apporter des correctifs aux besoins. Et oui, la question d'étendre les mesures de cette politique au cas des conducteurs interceptés en vertu du Code de la sécurité routière, oui, ça demeure, c'est l'une de nos recommandations. Nous sommes favorables à une telle analyse, une telle collecte et analyse de ces données. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, la prochaine question, numéro 8, nous vient de Monsieur Sonny Moroz. Donc, les campagnes publicitaires et les annonces doivent être placées dans les magazines et sur des sites Internet susceptibles d'être lus par les femmes et les minorités, ainsi que dans les revues et journaux professionnels plus traditionnels. D'autres efforts de recrutement peuvent être dirigés vers les campus variés et les districts des minorités. Le SPVM utilise-t-il des outils variés pour cibler les nouvelles recrues et quels sont les paramètres du ciblage et leur taux de réussite? Et à vous la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Moroz. Oui, absolument, nous souhaitons davantage diversifier les effectifs du service de police afin que ces effectifs sont représentatifs de la population qu'ils desservent. Alors, nous avons par exemple un programme des policiers conventionnels qui est adapté pour faciliter l'intégration des personnes issues des minorités visibles et ethniques et autochtones. Et nous avons, le SPVM a entrepris plusieurs initiatives afin d'améliorer le recrutement de nouveaux policiers et en faisant des initiatives. Notamment, j'ai été présent moi-même à une telle initiative à la Maison d'Haïti. Je pense que le leadership du service de police comprend la nécessité d'augmenter la diversification des effectifs du service de police de la ville de Montréal. La situation s'est améliorée au cours des dernières décennies et le service de police est dans la bonne moyenne à la ville de Montréal en termes de la représentativité de ces troupes, mais nous souhaitons aller plus loin. Il reste du chemin à faire. Alors, c'est absolument une priorité pour notre administration et je crois pour l'ensemble de la Commission de la sécurité publique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La prochaine question nous vient de Monsieur Oscar Hernandez de l'Association locale d'arrondissement du Plateau Mont-Royal de Projet Montréal sur la démocratie participative. La question est la suivante. Pour encourager une participation publique, le document de projet de recommandation aurait dû être disponible quelques jours avant cette assemblée au lieu de quelques heures avant. 3 heures ne sont pas assez de temps pour lire 15 pages, réfléchir, partager et écrire une question ou un commentaire qui représente nos organismes et communautés. Alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné accès au projet de recommandation avant aujourd'hui? Monsieur le Président, à vous la parole. Alors, merci beaucoup, Monsieur Hernandez, pour votre question fort pertinente. En fait, nous avons donné plus de temps que d'habitude pour le dépôt de recommandations d'une commission permanente au conseil municipal. Normalement, en temps normal hors pandémie, les recommandations, la publication des recommandations, la divulgation d'un rapport semblable au nôtre se fait seulement 30 minutes avant le début de la séance. Et les gens ont l'occasion d'en prendre connaissance. Nous avons donné 4 heures en fait, avant le début de la séance, afin que les membres du public puissent prendre connaissance de nos recommandations et poser des questions en conséquence. Nous avons reçu quand même un bon nombre de questions. Alors, je crois que, étant donné la situation, la crise sanitaire dans laquelle on se trouve en ce moment, on a bien fait. Est-ce qu'on peut mieux faire? Est-ce qu'on peut nous adapter davantage? Tout à fait.
On est toujours ouvert à bonifier, à améliorer nos pratiques de transparence, mais je trouve que dans les circonstances, on a bien réagi et bien permis aux membres du public de poser leurs questions et de prendre connaissance de nos recommandations. Et la preuve, c'est que nous avons reçu plusieurs questions du public. Yeah. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Maintenant, une question de la part de M. Aziz Fall. Alors, la question se lit comme suit. Énorme progrès que la Commission apporte à la politique, mais les deux manquent une occasion historique de résoudre le problème fondamental. La race n'existe pas et n'a ni fondement scientifique ni juridique. Enlever toute référence à la race permet à Montréal, comme fit la France, ouais, de désarmer l'arsenal des racistes et des antiracistes. L'interpellation peut identifier et répertorier une personne de couleur présumée ou de type présumé sans recourir au mot « race ». Pourquoi juste ne pas le faire? Monsieur le Président? Merci beaucoup, Monsieur Fall, pour votre question. Effectivement, la France a une autre approche à ces questions-là. Nos recommandations font écho des demandes des groupes et des individus qui ont déposé des mémoires et des avis dans le cadre de la consultation publique. Il y avait beaucoup d'avis que nous avons reçus qui recommandaient notamment de conserver la référence à l'identité raciale perçue des personnes interpellées, car cet enjeu est central à l'enjeu du profilage racial. Si la race est une fiction scientifique et biologique, c'est quand même une réalité sociologique et le racisme existe bel et bien aussi. Donc, nous avons jugé pertinent de recommander le maintien de la collecte des données sur la base de l'identité raciale des personnes interpellées. Et la Commission des droits de la personne était de cet avis aussi. Donc, on parle de la race perçue parce que c'est une question de perception, bien évidemment. Merci pour votre question. Merci, M. le Président. Alors, maintenant, une question de M. Fauniemi, une question pour M. Norris et M. Sari. Donc, la question est, quel mécanisme ou moyen pouvez-vous mettre en place pour assurer la participation des intervenants concernés et des experts à la mise en œuvre et au suivi de la mise en œuvre de ces recommandations? À titre d'exemple, un comité de surveillance citoyenne? M. Norris, à vous la parole, puis M. Sari, si vous souhaitez peut-être lever votre main si vous voulez prendre la parole. Et merci beaucoup, Monsieur Niemi, pour votre question fort pertinente. Et je tiens à vous remercier pour tout le travail que vous et votre organisme avez effectué au cours des décennies pour justement suivre ces questions importantes de profilage racial et social. En fait, on peut prévoir plusieurs mécanismes, mais la Commission de la sécurité publique est l'instance désignée par la loi pour surveiller le travail effectué par le service de police de la Ville de Montréal. Et nous jouons notre rôle pleinement. Et je souligne que, contrairement au passé, lorsque la Commission de la sécurité publique se rencontrait presque exclusivement à huis clos, depuis l'arrivée de notre équipe au pouvoir en 2017, nous avons instauré un rythme régulier de rencontres publiques. On a même adopté un règlement qui exige un minimum de 10 séances publiques au cours desquelles les membres du public peuvent poser des questions aux services de police et aux services de sécurité incendie de Montréal, qui sont les deux services que nous surveillons. Alors, nous avons recommandé notamment la tenue d'une séance publique de la Commission de la sécurité publique pour faire le suivi et poursuivre la discussion sur la politique, sur les interpellations. Et on sait que cette politique est évolutive, donc fort pertinent de continuer à impliquer le public et les organismes de la société civile dans le suivi de la mise en œuvre de cette politique et des bonifications que nous proposons. Alors, merci beaucoup pour la question et je cède la parole à M. Sari, le vice-président de la Commission. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup à Monsieur Fauniemi pour cette question-là aussi. J'aimerais tout simplement dire que l'adoption des recommandations de la Commission de la sécurité publique aujourd'hui pour cette bonification de la politique est un pas dans la bonne direction. Mais comme responsable de la sécurité publique au sein de l'ensemble Montréal, qui est l'opposition officielle, je suis quand même satisfait.
J'aimerais rappeler quand même qu'en juillet 2020, quand le SPV m'avait présenté cette politique, j'avais soulevé qu'en quoi il y avait plusieurs lacunes, dont l'absence d'encadrement, ainsi de suite, et la question d'enregistrement des fiches. Maintenant, je m'attends, ainsi que ce qu'on voit dans les questions des citoyennes et citoyens, je m'attends à ce que le comité exécutif de la ville de Montréal accepte rapidement et favorablement ces recommandations, comme Madame Cathy Wong, qui est responsable de la lutte au racisme et à la discrimination, est membre avec nous à la CSP. J'imagine que ça doit être fait rapidement. Cependant, je tiens à dire que le travail est loin d'être terminé. C'est un work in progress, comme a dit Monsieur Norris. Maintenant, le service de police de la ville de Montréal doit accepter d'appliquer les recommandations de la CSP. Je souhaite qu'il n'y ait pas de résistance de la part du service pour accepter ces critères que, à mon avis, sont des critères minimaux pour mettre fin à des pratiques d'interpellation discriminatoires et augmenter, bien évidemment, le racisme systémique. Par rapport à votre question directe, Monsieur Fourniani, oui, il serait très pertinent de mettre en place, je dirais, une participation citoyenne, certes, et même une participation des intervenants qui pourraient être concernés par le sujet, notamment des experts, ainsi de suite. Et je trouve vraiment qu'avoir un comité, je dirais, de surveillance citoyenne serait quelque chose qui pourrait être accompagnant. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la première des choses, c'est d'appliquer d'abord cette politique d'interpellation et par la suite, on verra quel serait le mécanisme qui pourrait l'accompagner. J'espère que l'administration de Mme Plante de Projet Montréal aura enfin un certain leadership nécessaire pour presser le SPVM à appliquer les recommandations. Merci beaucoup, M. Sari. Donc, la prochaine question nous vient de M. Mark Henry du Jamaica Association of Montreal. So the question is for Mr. Sari, the Vice President of the Commission. So you were on television advocating for body cameras for the Montreal Police. That is why cities like Toronto are doing. Body cameras are effective in reducing needless use of force and improving the relationship between police and minorities simply because they create a permanent record. Why is this commission not recommending acquiring body cameras? And the videos would tell us if, when police conduct a street check, it is justified. Alors, Monsieur Sari, une question sur les caméras corporelles. Pourquoi est-ce que la commission n'a pas de recommandation sur les caméras corporelles? À vous la parole. Thank you, Mr. Mark Henry. I would like to respond in English, and after we speak in French. According to our party, the official opposition, the implementation of this technology will help to avoid arbitrary arrests like the one that tarnished the reputation of Mr. Amadi Camara. Corporal's camera will also help restore the confidence of Montreal's citizens in their police officers and reduce racial profiling. Your question should be addressed to the administration of Projet Montreal. The plant administration has been asked to act for 2 years to each time that she finds some excuse. Alors, à chaque fois, on présente cette proposition comme opposition officielle d'implanter l'outil ou la technologie des caméras portatives. Malheureusement, l'administration de Madame Plante vient avec des excuses qui changent d'un moment à un autre. Ne serait-ce que le 22 février dernier, j'ai proposé encore une fois et d'implanter la technologie d'une manière progressive et je dirais permanente au sein du service de police de la ville de Montréal. Malheureusement, le vote de Projet Montréal a fait en sorte qu'on a reporté encore une fois le débat sur cette question. Je pense que les caméras portatives permettront de restaurer la confiance des Montréalais, permettront d'avoir un meilleur travail, transparence du travail policier. Et bien évidemment, ça fait 2 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on demande à cette administration-là d'agir. À chaque fois, elle trouve des excuses différentes. Merci, M. Sari. Alors, la prochaine question nous vient de M. Marian Costache. J'aimerais juste intervenir en complément de réponse. Oui. Mais d'ailleurs, la prochaine question est une question similaire sur les caméras corporelles également. Alors, oui. Vous pourriez peut-être répondre dans le cadre de cette réponse. Question de M. Marian Costache. Oui, exactement. Alors, M. Marian Costache nous demande également quand la Ville va-t-elle doter ses policiers avec des caméras corporelles? Alors, M. le Président, à vous la parole. Alors, merci beaucoup, thank you very much, Mr. Henry, et merci beaucoup Monsieur Marian Costache pour vos questions portant sur les caméras corporelles. We believe that body cameras are a and can be a useful tool
to combat racial profiling, and that can serve police and the public in a whole variety of other ways as well. As you probably know, a pilot project was carried out under the previous administration, and that pilot project revealed a whole series of technical, legal, ethical, and judicial challenges in order to have a body camera program that worked. One thing I would really point out is that in that pilot project, 83% of all of the footage that we were able to obtain was fragmentary footage that didn't capture the full interaction between the citizen and the police officer. So we believe in that body cameras are certainly a useful tool. We do want to deploy body cameras, but we want to do it right. And in order to do it right, we don't want to end up deploying this technology only to have fragmentary images that end up raising more questions than they answer. So in our view, it's critical to work with the province of Quebec. Courthouses aren't currently equipped even to handle this evidence. And so, you know, if we launch immediately into deploying body cameras without doing our homework and lining everything up with the province, we're likely to have problems. So we are in favor of deploying body cameras. We want to do it right. So très brièvement en français, nous sommes favorables au déploiement des caméras corporelles. C'est une position qui est partagée par l'administration. Cependant, il est important de constater que lors du projet pilote qui a été mené sous l'ancienne administration, 83% des images recueillies par les caméras corporelles ont été des images fragmentaires qui ne captaient pas l'entièreté de l'interaction entre le citoyen et le policier. Si nous souhaitons déployer des caméras corporelles, nous souhaitons le faire correctement afin de réellement augmenter le niveau de confiance du public et les bonnes conditions de travail des policiers. Et pour ce faire, on ne peut pas agir seul. Le projet pilote effectué par l'ancienne administration démontrait les limitations d'une initiative prise seulement par la Ville de Montréal. Il faut collaborer avec le gouvernement québécois et c'est ce que nous faisons. Nous avons déjà entamé des discussions à cet égard avec nos homologues du gouvernement du Québec. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Alors, la prochaine question nous vient de Mme Stéphanie Valenzuela. Depuis le début de la pandémie, il y a une hausse de racisme et d'agression envers les communautés asiatiques. Comment pouvons-nous, avec le support du SPVM, prévenir et adresser ces actes de façon concrète? Monsieur le Président? Merci beaucoup pour la question, Mme Valenzuela. Et je pense qu'il faut dire que la lutte contre le racisme et la discrimination est une priorité très importante pour notre administration. Nous avons nommé la première commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique, Mme Bouchra Manahi. Elle aura une ressource sur place au sein du service de police de la Ville de Montréal. Elle sera également responsable de veiller à la mise en œuvre des recommandations du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur le racisme systémique. On a une unité des crimes haineux au sein du service de police de la Ville de Montréal. Si on a connaissance d'un geste haineux, d'un crime haineux, même si on n'a pas tous les détails, il est important de le dénoncer à cette unité qui travaille très fort pour enrayer ces types d'incidents. Alors, c'est une priorité pour nous, c'est une priorité pour le service de police de la Ville de Montréal et je pense que nous sommes unanimes à dénoncer tout geste haineux commis sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Merci beaucoup pour votre question. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre réponse. Alors, la prochaine question de Monsieur Alain Babineau. La recommandation devrait aussi exiger la prestation d'une formation régulière, détaillée et continue sur le profilage racial, les partis pris inconscients et les questions connexes. Qui est axé sur les droits des personnes, élaboré en consultation avec les groupes touchés et destiné aux nouvelles recrues, agents actuels, enquêteurs et superviseurs. Cette formation devrait être suivie par tous aux 3 ans. Donc, ça touche la recommandation s'éduquer pour mieux se comprendre. Alors, Monsieur le Président, à vous la parole.
Merci beaucoup, M. Babineau, pour vos réflexions et tous les efforts que vous avez déployés en nous mettant en mémoire très détaillée avec beaucoup de suggestions que nous avons soigneusement étudiées. Nous avons porté l'essentiel de nos réflexions, nos recommandations sur la politique, sur les interpellations elles-mêmes, plutôt que sur les sujets connexes comme la formation. Mais la formation fait partie de l'équation. C'est une question importante et c'est une question que nous comptons aborder lors de notre prochaine séance publique qui portera sur le bilan annuel des actions prises en 2020 pour combattre le profilage racial et social. Donc, oui, il y a diverses formations qui sont offertes aux agents du service de police de la Ville de Montréal, en matière de diversité notamment, mais aussi en matière de désescalade. Il y a plusieurs types de formations. Ces formations évoluent et c'est une question que nous pourrons aborder en plus de détails au moment de l'audience publique que nous tiendrons pour tenir compte, pour recevoir le bilan sur les actions prises en matière de lutte contre le profilage. Merci. Donc, la prochaine question de Madame Léa Serrier, de Femmes autochtones du Québec. Alors, est-ce qu'une formation sur l'histoire et les réalités des femmes autochtones, notamment leur vulnérabilité particulière à la violence, sera obligatoirement donnée en collaboration avec les organismes autochtones aux différents intervenants coach? Impunité. Question, c'est un mécanisme d'imputabilité pour interpellation discriminatoire adoptant une approche intersectionnelle de la discrimination. Va-t-il être créé? Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Serrier, pour votre question. Effectivement, nous avons remarqué les disparités, notamment dans les interpellations des personnes, des femmes autochtones. Et c'est un sujet qui a retenu notre attention. Et nous allons, bien évidemment, suivre cette question, comme j'ai mentionné lors de la dernière question, au moment du dépôt du bilan des actions prises en matière de lutte contre les profilages. Je tiens à souligner que le service de police de la Ville de Montréal et l'administration de la Ville ont récemment annoncé la mise sur pied d'équipes mixtes où un intervenant ou une intervenante d'origine autochtone accompagne des policiers en devoir afin de faciliter les interventions auprès de personnes autochtones vulnérables. Afin que cela se fasse de la manière la plus appropriée et culturellement adaptée possible. Alors, c'est certainement une initiative du SPVM et de la Ville dont nous sommes très fiers. Mais il reste beaucoup de travail à faire et je remercie pour le travail que vous effectuez au sein de votre organisme en ce sens. Merci. Merci, Monsieur le Président. La prochaine question est de Mme Élisabeth Dupuis. La CSP ne recommande pas que les policiers soient obligés d'informer la personne interpellée qu'elle n'est pas tenue de s'identifier, alors que c'est le cas dans plusieurs provinces au Canada. Les personnes interpellées sont ainsi fichées, c'est-à-dire que les renseignements sont conservés pendant plusieurs années. En quoi le fait que les policiers informent les citoyens de leurs droits au moment de l'interpellation est un problème? Monsieur le Président? Alors, merci beaucoup, Madame Dupuis, pour votre excellente question. Qui porte justement sur un sujet qui a retenu notre attention lors de nos délibérations. Effectivement, il y a des politiques en vigueur dans d'autres provinces qui exigent que le policier, avant d'effectuer une interpellation, fasse un avertissement à l'effet que la personne visée est libre de partir à tout moment, n'est pas obligée de répondre à quelques questions que ce soit et peut partir selon sa bonne volonté. Ce qui s'est passé en Ontario, à la suite de l'adoption de cet avertissement obligatoire, c'est qu'on a vu une chute drastique du nombre d'interpellations. Notre objectif n'est pas d'éliminer au complet les interpellations policières, même si certains organismes l'ont suggéré. Ce que nous souhaitons éliminer et ce que la Commission des droits de la personne, entre autres, a suggéré fortement qu'on élimine, ce sont les interpellations non fondées, les interpellations aléatoires, des interpellations qui sont basées sur des critères discriminatoires. C'est ce qu'on souhaite éliminer. On ne souhaite pas éliminer au complet les interpellations policières parce que, selon ce qu'on a compris, ça peut être un outil légitime et utile pour les policiers dans le cadre de leur travail. Alors, cela étant dit, nous ne fermons pas la porte non plus
à une éventuelle adoption d'un tel avertissement obligatoire. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une vigie des autres villes et provinces qui ont adopté des politiques en ce sens-là, et on va voir quel en a été le résultat, quel est le résultat pratique de la mise en application de ces politiques-là. Est-ce qu'on va voir un phénomène comme on a vu en Ontario, ou est-ce que ça va bien se passer? Et puis, on recommande qu'on fasse une analyse de ces bilans, des bilans qui ont été effectués de ces politiques qui commencent à entrer en vigueur dans notre ville et province, afin formuler des recommandations aux besoins dans ce sens-là. L'objectif, c'est d'atteindre un équilibre entre les inquiétudes du public et des citoyens et les exigences du travail policier. Et c'est ce que nous croyons avoir atteint avec les recommandations que nous émettons aujourd'hui. Merci beaucoup, M. le Président. La prochaine question est de Mme Negar Hagiga. Donc, la question est, à quand les caméras sur les policiers? Monsieur le Président? Alors, je pense qu'on a répondu, M. Sari et moi, à cette question-là. Essentiellement, quand on pourra le plus rapidement possible, dès qu'on aura relevé tous les défis opérationnels, éthiques, légaux, administratifs, reliés à la mise en œuvre de cette technologie au sein du service de police. Il y a des enjeux complexes, comme on a vu les données, les vidéos, les images qu'on a pu recueillir dans le cadre du premier projet pilote ont été très souvent très fragmentaires. Et nous souhaitons, oui, déployer des caméras portatives. Nous souhaitons le faire correctement afin d'avoir les meilleures réponses possibles. Alors, merci. Merci. Ah, oui, merci, Monsieur le Président. Donc, la prochaine question nous vient de Mme Linda Kellil de la Ligue des droits et libertés. Alors, l'interpellation policière est une pratique qui ne repose sur aucun fondement juridique au Québec, ni dans la loi, ni dans la common law. La CSP dit que c'est aux tribunaux qu'il revient de trancher l'enjeu de la légalité des interpellations. Or, on sait que c'est une pratique qui, en raison de sa nature même, ne mène pas à des accusations dont on peut se défendre devant un tribunal. Pourquoi la CSP ne fait pas comme la Nouvelle-Écosse, qui a commandé un avis juridique indépendant des pouvoirs policiers et politiques pour examiner la légalité des interventions? Monsieur le Président? Alors, merci beaucoup, Mme Kellil, pour votre question fort intéressante. Nous avons soigneusement étudié le mémoire qui nous a été soumis par votre organisation, la Ligue des droits et libertés, et nous suivons vos travaux avec beaucoup d'intérêt. Oui, il est vrai que la Nouvelle-Écosse a choisi d'interdire au complet les interpellations, les contrôles de routine. Mais ce n'est pas la voie qui a été empruntée par la grande majorité des juridictions canadiennes qui se sont penchées sur cette question-là. Que ce soit en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, à Toronto, à Edmonton, à Vancouver, la tendance a été en faveur d'un encadrement de cette pratique plutôt qu'une interdiction. C'est par ailleurs ce qui nous a été recommandé par le groupe d'experts que nous avons mandaté le SPVM d'embaucher afin d'analyser les disparités dans les interpellations policières. C'était leur principale recommandation. Non pas qu'on interdise les interpellations, mais qu'on les encadre afin d'assurer une meilleure équité dans la façon dont les personnes sont interpellées. Je vous soulignerai aussi que depuis la publication du rapport de la politique du SPVM, le gouvernement québécois a adopté sa propre politique, ses propres directives en matière des interpellations policières. Alors, légalement, on ne pourrait pas déroger complètement, on peut apporter notre couleur à la politique sur les interpellations policières, et c'est ce qu'on propose ici à l'unanimité de faire, mais nous n'aurions pas la possibilité de déroger complètement de la politique qui est en vigueur à l'échelle provinciale. Alors, nous avons opté pour une approche qui nous paraît équilibrée et qui permettra de réduire, voire éliminer, les interpellations aléatoires ou discriminatoires. C'est ça notre objectif. Merci. Merci pour votre question. Merci, Monsieur le Président. Alors, la dernière question, Monsieur le Président, la question numéro 20 de Monsieur Denis Barrette de la Ligue des droits et libertés.
Donc, le rapport de recommandation de la commission souligne que l'objectif du SPVM est de réduire les interpellations non nécessaires et qu'il faut préciser les motifs justifiant une interpellation. Toutefois, la nécessité d'une telle pratique n'a pas encore été démontrée ni par le SPVM ni par la commission. Quand va-t-on démontrer à la population la nécessité de perpétuer cette pratique alors que les interpellations suscitent des violations et de l'insécurité pour plusieurs communautés racisées, autochtones ou marginalisées? Qui du SPVM ou de la Ville le fera? Monsieur le Président? Alors, merci. C'est un peu dans la même veine que ma réponse à la question précédente de Mme Kéril. Maître Barrette, vos arguments nous ont interpellés. Nous avons étudié les recommandations qui nous ont été soumises par la Ligue des droits et libertés. Nous avons opté pour un encadrement plutôt qu'une interdiction des interpellations policières. Non seulement parce que c'était le sens, je dirais, majoritaire des mémoires que nous avons reçues, mais également parce que c'est la pratique qui est le plus en vigueur dans d'autres juridictions canadiennes, que ce soit en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta ou dans de nombreuses villes canadiennes qui ont opté pour un encadrement plutôt qu'une interdiction pure et simple. Les services de police affirment que cette pratique des interpellations est utile à leur travail, aide à élucider certains crimes. Et donc, nous n'avons pas jugé pertinent d'interdire aux policiers de demander des informations aux personnes, aux citoyens, à l'extérieur du cadre d'une arrestation ou d'une enquête criminelle formelle, et de prendre des informations identificatoires des personnes. Lorsque une telle pratique est bien encadrée afin d'empêcher des pratiques discriminatoires ou aléatoires. Alors, nous croyons avoir atteint un bon équilibre dans les recommandations que nous avons émises, mais nous allons très certainement suivre avec intérêt les avis soumis par la Ligue des droits de liberté, et qui est un organisme très important de défense des droits de liberté au Québec et que nous apprécions beaucoup. Donc, merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau. C'était la dernière question de la liste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Wong, de nous avoir aidés avec la lecture de ces questions. Ça fait une séance un peu moins monotone, un peu plus intéressante et vive. Alors, merci beaucoup pour votre aide. Vous avez beaucoup d'expérience comme ancienne présidente du conseil municipal. Alors, c'est très apprécié. C'est maintenant le moment de procéder à la période de questions et des commentaires réservés aux membres de la commission. Alors, s'ils le souhaitent le faire, nous avons un rapport unanime, mais si les membres de la commission ont des interventions, des remarques à formuler ou des questions à poser, je les invite à le faire maintenant en levant la main. Je vous invite à prendre la parole et à faire preuve quand même de concision. Mais si vous avez des remarques à formuler, vous êtes les bienvenus à le faire maintenant. Je vois que M. Sari a levé la main. Donc, la parole est à vous, M. Sari. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma première intervention, l'adoption des recommandations aujourd'hui de la CSP pour cette bonification qui était nécessaire pour la politique d'interpellation au service de police de la Ville de Montréal est un pas dans la bonne direction. Alors, comme représentant de l'opposition officielle, comme représentant de notre parti et responsable de la sécurité publique au sein de l'ensemble Montréal, je suis satisfait. J'aimerais aussi rappeler que c'est un travail de la commission de la sécurité publique, de l'ensemble des membres, de deux personnes sortantes, M. Luc Gagnon et Mme Pascal, qui étaient présentes avec nous, et en même temps le travail de plusieurs organismes qui nous ont induits dans une direction pour rédiger ces recommandations. En même temps, c'était des éléments que depuis le mois de juillet dernier, lorsque le service de police de la Ville de Montréal avait présenté la première mouture, j'avais soulevé ces lacunes-là, puis j'avais dit dès le départ qu'en quoi ça n'avait pas d'allure, ce n'était pas vraiment la politique qu'on pourrait utiliser au sein de notre ville afin de contrer le profilage racial. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'attends à ce que le comité exécutif de la Ville de Montréal accepte le plus rapidement possible de manière favorable ces recommandations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, comme Madame Cathy Wong, qui est responsable de la lutte au racisme et à la discrimination,
est membre avec nous, j'imagine que ça ne pourrait que faciliter les choses. Le travail n'est pas encore terminé. Maintenant, c'est notre service de police de la ville de Montréal qui doit accepter d'appliquer ces recommandations. Ce sont des recommandations basées sur des échanges, plusieurs heures d'échanges qu'on a travaillé ensemble et d'une manière non partisane afin de les rédiger. Je souhaite qu'il n'y ait pas de résistance de la part de notre service afin d'accepter ces critères que moi je juge quand même comme un pas en avant, mais qui restent des critères minimaux afin d'avoir les meilleures pratiques d'interpellation qui ne soient pas des interpellations qui sont discriminatoires et qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, augmenter le racisme systémique. Voilà, il serait très pertinent, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre en place des mécanismes qui peuvent accompagner ces éléments-là. Je pense que M. Fonimi aussi avait posé la même question. Je pense que ça serait très important d'avoir un comité de surveillance. Ça, c'est un travail en progrès, et ça, c'est quelque chose qu'on peut revenir. Maintenant, le rôle et la balle est vraiment et au camp de cette administration, de Madame Valérie Plante, de l'administration de Projet Montréal, afin d'exercer son leadership et afin de presser le service de police de la ville de Montréal à appliquer les recommandations de la CSP. C'est un travail des membres, c'est un travail de l'ensemble des parties, et c'est un travail des organismes, il ne faut pas nécessairement l'ignorer. Alors, sur ce, je félicite l'ensemble des personnes qui ont travaillé ensemble et je les remercie pour avoir accepté les recommandations qui venaient aussi de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Mais merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur Sarri, vous avez très certainement contribué à nos travaux et je pense que nos recommandations unanimes sont la preuve que une administration et une opposition officielle, les représentants sont capables de travailler en toute collégialité et en venir à un consensus. Alors, je suis très fier que nous ayons pu travailler en étroite collaboration, les deux maires des Villiers, le représentant du gouvernement du Québec, vous-même, M. Sarri, les autres membres de la commission, pour prendre ces recommandations unanimes. C'est un excellent pas en avant. Et je tiens à souligner la collaboration du service de police de la Ville de Montréal, à laquelle nous avons eu droit. Le SPVM a collaboré à à cette consultation publique. Ils ont mentionné d'emblée que la politique qu'ils ont annoncée l'été dernier était évolutive et c'est une première politique de son genre au Québec. Je crois qu'on a fait un bon coup en proposant des bonifications à cette politique. Nous sommes reconnaissants de la collaboration que nous avons reçue de la part du SPVM et nous sommes optimistes que nous serons en mesure de convaincre l'administration et le gouvernement du Québec d'adopter nos recommandations. Alors, merci, M. Sarri, pour votre collaboration et merci, un grand merci à tous les membres de la commission. Et je tiens également à remercier notre secrétaire recherchiste, Mme Lydia Attrouche, qui a été une grande aide dans la rédaction de ce rapport de recommandation, ainsi que sa prédécesseure, Mme Julie Demers, qui a travaillé pendant longtemps à la Commission de la sécurité publique, qui possède énormément d'expertise et qui nous a beaucoup aidé à raffiner et formuler nos idées afin de pouvoir émettre ce rapport. Alors, mes remerciements les plus sincères à Mesdames Attrouche et Demers pour leur grand apport à nos travaux. Je ne sais pas si un autre membre ou une autre membre de la commission aimerait formuler des propos. Je remercie tous les citoyennes et citoyens, toutes les citoyennes et tous les citoyens, les représentantes et représentants d'organismes pour leur contribution aux travaux de la commission lors de cette consultation. Et je souligne de nouveau le travail et la collaboration des représentantes et représentants du service de police de la Ville de Montréal, des membres de cette commission. Et nous sommes à présent à la fin de cette séance dédiée à l'adoption de nos recommandations de la Commission de la sécurité publique. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, il est maintenant l'heure de lever la séance. Je vous remercie tous et toutes et je déclare la séance levée. Merci tout le monde. Ah, M. Boukala, vous souhaitiez prendre la parole?
Non, j'étais pas certain s'il fallait une adoption pour lever l'Assemblée, donc c'était simplement pour proposer. Ah, d'accord. Mais on peut le proposer. Je ne pense pas que ce soit obligatoire, mais si vous souhaitez le proposer, il y avait Et je seconde. D'accord, Madame Wang seconde, et je pense que c'est adopté à l'unanimité. Donc, je déclare la séance levée. Merci à toutes et à tous. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne relâche.